Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit gameplay pour Tiens Bon Petit. On va se retrouver en confrontation avec notre ex. La faiblesse de Damien, c'est sa fierté. Je dois jouer là-dessus. Le convaincre de me dire ce qu'il sait et l'envoyer se faire foutre. Il est trop imprudent, trop dangereux. On se rend compte qu'il y a une certaine animosité entre les deux. Oui, bien sûr. Et que là, ça va s'empirer. Je vous laisse vous planter l'histoire. Où est-ce que t'es ? Je crois que la réponse va pas te plaire. Tu sais quoi ? Laisse tomber. Quoi que tu saches, ça m'intéresse pas. Tu m'as jamais apporté que des emmerdes. On n'a plus rien à se dire. C'est trop tard, Aiden. Tu devineras jamais où je suis. Attends, je vais t'envoyer les images. Trouve une télé et jette un œil. C'est la maison de Nikki. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu devrais te dépêcher, mon garçon. Ta jolie petite sœur a besoin de toi. Damien ! Donc voilà, je vous ai zappé... 6 ans. La conduite. Où est-ce qu'ils sont ? Et on se retrouve chez Nikki. Tout ça, c'est juste un gros gâchis. Ouais. Tu sais, la vraie tragédie, c'est qu'un type comme toi... Sois entouré de tant de choses aussi fragiles. Ça te rend vulnérable. Ils sont où ? Eden n'est pas très content. Non, ça marche pas comme ça. Si j'étais toi, je répondrais. Oui. Nikki, où est-ce que t'es ? Nikki ! Réfléchis 2 minutes. Si tu déconnes, elle crève. Écoute, c'est pas ce que je voulais. Mais bon, voilà, on en est là. Si tu m'avais écouté, ça aurait pu se passer différemment. Dis-moi où ils sont. Où ils sont ? Y'a que Nikki. Et le gamin... Je sais pas où il est. Voilà ce qui va se passer. Ça va te mener à un disque dur. Je t'ai dit qu'il y avait un autre hacker. Grâce à ça, tu pourras dénicher son ordi. Trouve-le. Et tu sauras qui a mis un contrat sur nous. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? C'est fini, les interrogatoires. Je veux ce disque dur, c'est tout ce que t'as à savoir, c'est le prix à payer pour Nikki. Arrête de réfléchir tout le temps, Aiden. Et tiens-moi informé. En échange, tu pourras parler à ta petite sœur. C'est étonnant de nous, quoi. Tu sais que ça va mal se finir pour toi. Peut-être, mais joue pas au con avec moi. J'en ai rien à foutre de tuer cette fille. Allez, à bientôt, mon copain. Copain. Le copinage, c'est fini. Donc on doit partir à la recherche. Où est Jackson ? Damien ne l'a pas trouvé. Du petit Jackson. J'espère qu'il a sa tablette. Là. Donc on va le localiser. Oh merde, quelqu'un est après lui. Dans le métro, et on va partir à sa recherche et aller le sauver. Damien ne doit pas capturer Jackson. Je dois le protéger. Allez, je peux y arriver. Je sauve Jackson et après. Nikki. Oh bordel. Il tient Nikki. Je vais être assez court. Pour rejoindre la trame de métro. La rame. Ça va parler le français. Voilà. Je vais pas arriver à temps. On n'est pas tout seul. Il faut que je pirate le train. Jackson pourra alors s'éloigner de ces types. Trappe de l'histoire et la robe. Très très intéressant. On fouille toute la rame, le gamin est forcément là. Vraiment, c'est kiffant. On peut pirater le métro. Voilà, j'ai gagné du temps. Je peux aller à la station. Là, on les empêche de monter dedans. Tiens bon, Jackson. Le métro se barre, merde ! On va le choper à la prochaine station. Go, go ! Quelqu'un est après nous ! C'est qui ce mec ?
va se rendre. J'ai fermé devant moi. Bravo. Putain, un barrage. Et donc c'est la première mission de l'acte 2 en fait. Damien Briggs en fait. A plus l'air d'un bouc émissaire dans cette histoire, et du coup on se retrouve à devoir aller sauver notre frangine, et là notamment sur cette mission le petit. Vas-y. Le petit Jackson, puisque tout nous tombe sur la gueule dans cet acte 2, on va voir que ça va s'améliorer par la suite. Là, je voulais pas trop me confronter avec eux, je voulais plutôt les neutraliser en voiture. Voilà, il n'en reste plus qu'un. Butez-le ! Plus qu'une voiture. Je convoque ma voiture à subir. Elle va subir encore d'ailleurs. Une véritable épave. Allez-y. Des fois c'est long, il y a des endroits où j'ai pas piraté le CTOS. Nous avons d'ailleurs une vidéo où on pirate le CTOS. Le tour CTOS, ce qui est différent de CTOS dans l'émission en fait, tout simplement, où on rentre pour pirater le CTOS lui-même. Tour de CTOS, c'est autre chose, et de CTOS District aussi, autre chose. Vous verrez la vidéo sur la chaîne. Donc là, c'est assez long, les idées. J'aurais pu l'éviter. J'étais parti vraiment pour une neutralisation. Comme je vois que j'ai tout explosé devant moi, j'essaie de prendre des chemins où je sais que je vais pouvoir me servir des feux, des canalisations. Des bornes. Là, je tourne en rond et c'est vrai que c'est plus ou moins long déjà. Je vais choper. Défoncez-le! C'est un bon moment pour le choper. Attention! Je me tire dans un état catastrophique. Voilà. Donc on a plus qu'à rejoindre le métro. On va aller chercher le petit Jackson, livré à lui-même. Le GPS, toujours, il est plutôt précis. Hein. Bon, des fois, il nous fait faire des détours, surtout quand on est en moto. Il nous fait passer par des trucs qu'on ne pourrait pas passer. On va essayer d'éviter les piétons quand même. Les voitures, c'est plus dur. Mais c'est moins chiant que dans GTA quand même. Hein. Les voitures s'arrêtent quand. Un petit saut sur et voilà, j'ai blessé un civil en lui sautant dessus. J'aurais pas dû sortir aussi vite de la voiture, c'est pas bien. Tire pas sur les civils. Donc voilà, on rejoint la rame. Je vais essayer de voir la suite de l'histoire.
Tout va bien maintenant. C'est fini. Écoute, c'est important. À la maison, est-ce que les messieurs ont dit quelque chose? Parle-moi, Jackson, s'il te plaît. D'accord. On va la trouver, ta maman. Jackson est bloqué, hein. Il ne parle plus depuis la mort de sa sœur. Docteur Mendez, à l'appareil. Yolanda, bonjour. Ici Hayden Pierce, le frère de Nikki. Tout va bien. J'aimerais vous rencontrer en personne. Je suis dans le train avec Jackson. Très bien. Vous savez où Nikki le dépose d'habitude? Oui, je vous y retrouve. Il faut que tu sois courageux, d'accord? Tant plus, mais va nous donner des indications quand même. Les messieurs ont dit ça chez toi. C'est bien, Jackson. T'es un chef. Pour la suite de notre mission, mission 2 de l'acte 1. Nous voilà arrivés, et voilà Yolanda. Bonjour. Yolanda ça Mendez. Ça va, mon lapin? Mendez. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Pierce? Où est Nikki? La semaine a été dure. Elle s'est enfin décidée à donner les affaires de Lena. Et je crois qu'elle est en train de faire ses adieux. Ça se passe mal? Plutôt, oui. Elle devrait m'appeler. Elle voulait justement que je vous appelle. On se demandait si vous pouviez garder Jackson quelques jours. On vous paiera, bien sûr. Oui, pas de problème. Vous pouvez compter sur moi. C'est très gentil, merci. Nikki doit faire son deuil. C'est dur, je sais, mais c'est nécessaire. C'est pas facile, mais on va s'en sortir. Pas vrai? Allez, viens, mon grand. On va s'amuser un peu. Viens, on y va. À bientôt. Les personnages sont très bien faits. On voit que le petit est vraiment très bien fait. Monte. Il y a plein d'expressions, ce petit gamin. C'est vraiment merveilleux ce qu'il a fait. Donc voilà, on arrive à la fin de ce petit gameplay. Plutôt sympa, ouais, plutôt sympa ce passage. On se retrouve sur la chaîne pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, puis un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis ben, à plus tard et bon gameplay à vous. Bye bye.